dans les vacances pour revenir le 4. Maman, laisse-moi me reposer. On écoute d'abord comment tu vas voir comment une femme qui insulte un enfant, insulte, quand elle voit Mama Misunga parler encore avec Pipi, je dis que Mama Misunga est sans peste. C'est toi qui as commencé à Mbinda. C'est toi qui as commencé le matin. Hein. Tu as commencé à mettre les archives de Maman Pépé qui a insulté Maman Ma Anna. Et j'ai dit que donc tu oublies que ta propre grand-sœur a insulté le mari de Mama Misunga, insulté sa mère, insulté son enfant. Écoutons comment elle insulte son mari. Que son mari pas vider les couilles dans les camions. On peut dire c'est un mari. On peut dire son mari de quelqu'un. Hein? Reven Binda. On peut dire son mari de quelqu'un. Vous oubliez vite, hein? On écoute d'abord ça. Régime alimentaire. Elle peut diminuer. Voilà. Les enfants des gens. Voilà. Ici, régime alimentaire, elle parle de qui? De la première fille de Mama Misunga. Elle insulte la première fille de Mama Misunga. On continue. Indigne. Voilà. Tu es indigne. Mm-hmm. Alors, arrête de venir. Mm-hmm. Tu osais dire que vous n'êtes pas honte. Vous n'êtes pas honte de vouloir tuer les enfants, les gens se font. Elle vous doit quoi? Mm-hmm. Je soutiens Mélanaï. Moi je soutiens. Tu dans le aide-moi à détester. C'est la chancelée la soutien. Mm-hmm. Nous la soutenons. Voilà ça ici, là, c'est celle-là qui la chancelée la soutien. Maintenant, on continue. Voilà, multipliez vos directs. Vous l'avez fait coller depuis quoi? Tu t'assois là et puis une autre que je ne sais pas où. Tous ces ratés femmes-là, les mamans, c'est dit, maman, vous occupez de vos enfants quand? Voilà. Vous prenez pour faire les moussoumas, qu'est-ce qu'on fait les moussoumas? C'est le bout, comme il y a tout le cas, tout le monde avait le cube, mais on mange. Vous pouvez monter quoi aux gens? Rêve Mbinda, regarde comment elle insulte. Regarde, le truc, c'est que, tous ces, la famille de Mbiarmen, toutes les familles, là, ils passent le temps à descendre le commerce des gens. Regardez comment elle est en train d'insulter le Misunga, de Mama Misunga. Elle insulte son Misunga dans le clash. Est-ce qu'elle insulte son enfant? On continue. Tu osais dire que j'avais menti que j'utilisais les radis à Mélanie, je n'ai jamais utilisé ça. Tu étais forcé de me dire, tu étais obligé de dire ça. Tu étais obligé de dire que tu as fait le Musunga. Tu étais obligé de venir dire ça. Quand je vous ai dit que ne soyez pas fan. Soyez fan, ne soyez pas fanatique. Quand on est fanatique, on peut induire son bourreau en erreur. On peut induire sa star en erreur. Maïlus Balavé ne m'a pas. Elle m'a gronté que Lolo, non. Tu as donné rendez-vous pour le direct, tu dois faire le direct. On a vu ce point, elle a compris qu'elle a raison. Viens crier quand je veux crier. Elle a dit, toi, tu vas que faire le direct. C'est qu'on appelle aimer quelqu'un. Où est tout ce qu'elle fait? Elle a raison. Et bien, vous ne l'aimez pas. Personne ne vous aime cette fille. Vous ne l'aimez pas. Vous mentez son mensonge. C'est quoi? Vous ne l'aimez pas. Vous êtes les vues derrière elle. Je suis la star marine. Je t'ai vu au Cameroun, toi, Zakula. Je t'ai vu au Cameroun, moi. Zakula, c'est Mama Misunga. Zakula, c'est Mama Misunga. On continue. Je t'ai vu au Cameroun. Tu es allé à la télévision. Depuis que tu vas au Cameroun, tu es allé à la télévision un jour. Tu es allé à la radio. Pour aller dire que ils sont là. Tu es allé représenter quoi à la télévision camerounaise? Tu es allé représenter quoi à la radio camerounaise? Tu es allé faire quoi là-bas? Pour aller raconter les histoires de cul et de mangala de Facebook. Tu leur as pas dit que la fille que tu soutiens a mis mes fesses dehors? Tu leur as pas dit que la fille que tu soutiens a mis ma nudité dehors? Elle a mis la nudité de ta ligne dehors? Et ce journaliste a rien là. Qu'est-ce qu'il t'a posé comme question? Tu voulais te faire voir. Quand tu arrives au Cameroun, tu es à la radio. Moi, j'irai étudier. Ou tu n'iras pas. Femme des blancs. Tu osais mentionner que j'avais même menti que j'utilisais Radia Mélanie. Qui ignorait que tu mentais. Ton temps n'avait pas changé. Ton temps n'a jamais changé. Tu ne respectes pas. Tu déshonores la famille Ngaba. Tu as la stamane. La stamane des pierres. De 3 à 5 là-bas. De l'autre sujet. Je Florent. Nous, on vous baise dans les toilettes là. Tu es sur la voie de tuer. Ta fille la teigne. Voilà. Elle a même pas l'aide de ta fille. Voilà. Est-ce que c'est la même génération? Elle a déjà un chiffre d'affaires. Ou elle fait des business. Va former ton enfant. On ne veut pas les enfants des autres. Lâche cette petite fille tranquille. Qu'on l'alcool les baskets, d'accord? Tu n'es rien, toi, Doué Gaba. Ton mari, c'est le chef de l'USN, Zakula. Tiens, viens. Jusqu'à mettre le nom de Mama Misunga que Zakula. Et dire que son mari, c'est le chef de l'USN. Rêve Bida. Tu veux qu'on dans les archives, ma soeur? Tu veux qu'on entre dans les archives? On écoute, envoie les cœurs, on écoute. C'est là-bas, il faut te vider ses couilles. Écoutez. Tu ne lui donnes plus envie. Écoutez comment on insulte le mari de quelqu'un. Rêve Mbinda, vous pensez que vous avez les archives plus qu'elle est qui? Ta grande soeur fait le sale sur la toile. Si tu veux qu'on arrive dessus, ta grande soeur fait le sale. Elle a fait du sale sur la toile. Jusqu'à insulter le mari de Mama Misunga qui vide ses couilles au lieu sec. Hein? Tu n'as même pas honte.
Et tu veux continuer ainsi. On continue. Tais-toi. Faut te taire. Non. Faut nous coller la paix. On en a marre de vous. On en a marre de vous, des mamans qui ne se respectent pas. Tu ne peux pas te fermer ta gueule. Et un problème, tu parles que non, on va essayer de réunir. On va payer la deux parties. On va essayer de mettre du calme. Tu nous as dit que j'avais même marre. Que tu disais Radia Mélanie. Tu peux payer Radia Mélanie que tu n'as pas. Va appeler tes gens là de venir m'insulter. Je dis que les gens, si vous pensez que vous avez des archives plus que les qui. Je dis que vous dites que Pipi, c'est ma cible. Donc, quand elle m'assoit sur cette femme-là, je viens qu'avec les preuves. Je dis que cette femme, c'est ma cible. Regardez-la ici. Regardez Pipi. Viens voir ta grande sœur. Que vous dites que la femme, c'est un mari d'Alzheimer. Vous avez dit que je mens. Écoutez comment elle ment. Écoutez-la ici. Regardez, ta propre grande sœur a oublié qu'elle avait, elle avait fait intervenir Nia Barano dans son propre direct, ça fait un an. C'était contre Sandy Boston. Maintenant, comme elle veut retrouver sa veste, c'est parce qu'elle a besoin, elle a besoin de supplier Sandy Boston pour aller à une soirée. Il faut qu'elle vienne saquer Nia, elle vient faire croire que Nia est le plus mauvais de la toile. Et ce n'est pas bien. On continue. Regarde, elle dit qu'elle croit, Nia. Il te croit. Maintenant, hier, tu l'as saqué hier. Pipi. Parce que vous ne partagez pas le direct, pas les cœurs. Vous ne partagez pas le direct. Alors que quand la femme s'y ment, normalement, vous deviez faire en sorte que quand je suis en live, au moins 1000 personnes en live, pour démonter la menteuse femme-ci, pour la démolir. Parce que quand elle vient mentir sur Facebook, il faut qu'on apporte le code, ce qu'elle dit, pour la mettre dos au sol. Il veut reprendre sur toi, Pipi. Il veut reprendre sur toi. Regarde. Elle est insultante de Boston. Regardez-la. Regardez-la. Goula Tarmenia. Parce que Pipi veut comment? Elle veut recommencer les soirées. Ça ne la laisse pas. Elle veut reprendre les soirées. Bon, pour reprendre les soirées, qu'est-ce qu'elle va mettre? Il faut qu'elle mette qui à terre. Il faut qu'elle mette Nia à terre. Il faut chasser les esprits. Les esprits négatifs. Elle a les esprits négatifs. Regardez-la. Cette fille-là, elle est très dangereuse. Dieu t'a protégé, mon petit. Dieu t'a protégé, mon petit. Tu supposes. Et comment tu soutenais Nia? Tu l'appelles même mon petit. Mais aujourd'hui, tu l'as intégré à ta tête comme quoi? Ça vient de mes bengos. Ça vient de mes bengos. Elle voulait me mettre à l'horizon parce qu'on ne parle pas tout. Ça vient de mes bengos. Elle voulait te mettre à l'horizon. Quand je suis plus dans la. Ma page est restreinte. Cette femme-ci ment. Elle ment comme il respire. Et j'ai trop de. Ce qui m'énerve, c'est que j'ai trop de preuves sur elle. Que, quand je suis en direct, quand elle n'atteint pas parfois même, ça me fait mal. Elle te dit regarde ici, regardez ceci. Regardez ça. Pour justifier cet acte diabolique. Elle est juste Sandy de Boston. Parce que Sandy de Boston, j'appelle ton nom. Emily, tu es une sorcière. Voilà. Tu as écouté. Tu es une femme dangereuse pour la société africaine. Une femme éloignée, tu mérites de rester dans un asile psychiatrique. Ta place n'est pas parmi nous. Ah, pas ici, quel bonjour. À cette jeune femme, ce que tu as fait à Josiane Niat, assise le jour de son mariage, coutumier en Belgique, tu as pris l'avion première classe de l'Angleterre pour assister à son mariage. Tu as arrivé
pour finir avec sa vie. Écoutez. Pour prendre sa place. Parce que tu fantasmes pour son mari. Lolo Gloyal. Aujourd'hui, je veux des femmes dignes. Je veux des femmes responsables. Je veux des femmes avec. Alors non, mon fils. Tu vois. Tu as envoyé, tu as appelé, tu as appelé Nia que ton fils, non. Oh Dieu, yeah, tu as insulté Nia, on continue. La jouissance te manquait. Mm-hmm. Elle paye ses couches dans la baignoire, elle séduit, elle appelle au téléphone, viens bébé. Elle appelle au corps au téléphone. Mon fils aussi, il est innocent. Mon fils vient aussi. Parce que yeah, là, tu voulais supplier Nia, parce que tu as vu qu'on t'avait saqué la basse en Allemagne, on t'avait dénigré. Tu avais besoin de l'appui de Nia. Tu l'appelais que ton fils. Maintenant, tu te retournes contre. Maintenant, comme tu as besoin de sang de Boston pour aller dans les soirées, tu dénigres. La femme, c'est une. Pipi. Oh, mon Dieu. Tu es une manipulatrice, maman. Non, pour ça. On prend Anolo Fodja. Elle arrive en Belgique pour faire une petite soirée. Ou c'est qui va aider. Non, maman Pépé, bonjour. Non. Parce que Cameroun, c'est ça le con. La femme, c'est une. C'était les femmes qui étaient leur appui. Quand ils étaient dans les maquis, c'était les femmes qui venaient. Non, la femme, c'est une manipulatrice. Pipi, c'est une. Non, mon Dieu, il faut qu'elle. Non, pour ça. Non, Pipi, donc pour ça, il te donne le chapeau sur Facebook. Tu dis que. C'est ça que quand tu fais tes shows, tu achètes tes vues, Pipi, manque pas. Non, tu es une grosse manipulatrice. Hier, tu as fait passer Nia Barno pour un méchant. Comme quelqu'un qui. Non, alors que l'autre, ça fait un an, tu as soutenu Nia contre Sandy Boston. Tu as traité Sandy, tu as appelé Nia ton fils. Maintenant, hier, tu as dit que est-ce qu'il peut être ton enfant, et sa grosse tête. Avec ça, tu l'as traité de tous les noms. On écoute, C'est ça que Vincent dit à Reven Binda que ce que tu veux commencer là, tu vas pas te laisser. Mais ta propre soeur a fait du sale sur les réseaux sociaux. Donc, maman Pépé ne te doit rien. Elle ne te doit rien. Donc, passe comme un tarsi plein. On écoute, regardez là. Regardez ici. Ils n'ont jamais eu tort avec qui que ce soit. Ils ont toujours raison ce qu'ils disent. Ça veut dire que c'est des personnes malades. Ils ont un problème de cerveau. C'est des fous. Parce que quelqu'un qui n'a jamais eu tort dans tous ces problèmes, c'est quelqu'un que je considère comme un fou. Parce que moi, il y a le moment où j'ai eu tort. J'ai eu tort quand je me suis conquis. Plusieurs fois, j'ai eu tort, mais j'ai demandé pardon. À qui? Donc aujourd'hui, je vais m'adresser à toi. Comment une jeune fille a pu se laisser berner? Une petite fille qui a plein de talent. Aujourd'hui, je te dis, ma fille, je te demande pardon, pas peut-être parce que j'ai envie de venir travailler avec toi. Pas peut-être. Dis que, qui la connaissait? Mon ami, on connaît quelqu'un derrière quelqu'un. Et si tu vois que tu vas être connu derrière quelqu'un, que la personne te rapporte, qu'est-ce que tu fais? Tu te retires. Connaître quelqu'un ne veut pas dire que. Tu vas te dire quelque chose, pas arriver dans une boutique. Lâche-toi quand on dit que ton enfant est bien à la maison. Lâchez les bâtiments à l'enfant. Là. Quand vous venez chez vous, c'est ta mère. Là, laissez l'enfant des gens tranquilles. Si sa mère ne parle pas, je vais représenter sa mère dans Facebook. Moi, je vais vous prendre. On va passer par le classe. Hein. Voilà. Je viens finir avec toi. Radia Mélanine, tu es une petite fille, tu es le symbole. Je vais te nommer aujourd'hui. Je vais te nommer. Je ne sais pas quelle nomination je peux te donner. Tu es la révélation de 2018 sur Facebook. Mm-hmm. Tu es la petite fille courageuse que j'ai toujours rêvé. Voilà ça. Ta propre grande sœur t'a même valorisé, mais elle valorise une autre personne. Ta propre grande sœur. Pourquoi est-ce qu'on appelle Zakulala? Tu as vu le poids de ta fille? Maman Misunga, voilà, regardez, elle insulte Maman Misunga, regarde le poids. Ce que je dis à Reven Binda que quand tu dis que Maman Pépé insulte les gens, parce que les archives sont dehors, regarde comment elle insulte l'enfant, regarde comment elle insulte. Pipi parce que t'as insulté les enfants des gens dans les clashs. Écoutez comment elle insulte la fille de Maman Misunga. Son poids? Écoutez. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu fais en tant que mère? On arrive à mettre ta fille en nutrition. On fait du régime. Mm-hmm. Un enfant, c'est inanormal. Je ne suis pas un enfant, mais l'enfant n'a rien à voir. C'est une mère qui doit prendre soin de ses enfants. C'est une mère qui doit éduquer ses enfants. Vous n'avez pas le temps d'éduquer vos enfants. Vous venez insulter l'enfant des autres. Vous êtes malade. Ça va pas dans vos têtes. Vous êtes des enfants des gens. Pourquoi? Insultez-moi. Insultez Marie-Louise. Insultez le compresseur. Mais laissez nos enfants en dehors de ça. À laisser épargner la vie de nos enfants. La petite fille, elle vous doit quoi? Jusqu'à ce qu'on ait dit dans un commentaire que j'avais menti que tu
tu disais, toi, t'avais attaché de venir dire ça. Hein? Aujourd'hui, tu viens dénigrer la petite fille de tu. Ta fille qui est à la maison, là, si elle commence un commerce, un jeu qu'on la trompe, tu vas dire quoi de ta fille? T'as pas honte, toi, en tant que maman? T'as pas honte, en tant que mère? Tu vas dire, c'est la manière de quoi? C'est la manière de me sunga. Une femme qui a marié un plan, il va le bicovine, il y a sur Facebook. Maman, pipi. Hein? Qui va le bicovine, il y a sur Facebook? Maman, pipi. Pipi, maman, il rêve, Mina. Voilà Pipi qui a insulté Mamisou parce qu'elle a insulté son enfant. Puisqu'elle a insulté, donc, Pipi, à elle seule, a insulté toute une famille. A insulté le mari, a insulté l'enfant. Puisqu'elle a insulté Misunga, on continue. On va écouter la vidéo aussi. Je ne manque pas, elle dit que... Toi, c'est quoi la peine, Zakoula, là? Tu as vu le poids de ta fille? Tu as vu son poids? Une petite fille de son âge qui peut au moins plus de 300 kilos? Qu'est-ce que tu fais en tant que mère? Mon ami va mettre ta fille en nutrition pour faire du régime. Un enfant, c'est inanormal. Je ne suis pas un enfant, mais l'enfant n'a rien à voir. C'est une mère qui doit prendre soin de ses enfants. C'est une mère qui doit éduquer ses enfants. Vous n'avez pas le temps d'éduquer vos enfants. Vous venez insulter l'enfant des autres. Vous êtes malade. Ça va pas dans vos têtes. Je suis des enfants, des gens, pourquoi? Insultez-moi. Insultez Marie-Louise. Insultez Compressor. Mais laissez nos enfants en dehors de ça. À laisser épargner la vie de nos enfants en dehors de ça. La petite fille, vous doit quoi? Jusqu'à tu oses dire dans un commentaire que j'avais menti qu'il utilisait Radia Mélanie alors que je n'ai jamais utilisé. Donc t'avais attaché de venir dire ça. Hein? Aujourd'hui, tu viens dénigrer la petite fille de tu. Ta fille qui est à la maison là, si elle commence un commerce, un jeu qu'on la trompe, tu vas dire quoi de ta fille? T'as pas honte, toi, en tant que maman? T'as pas honte en tant que mère? Tu vas dire, c'est la manière de quoi? C'est la manière de me sunga. Une femme qui a marié un plan, il va le bicovine, il y a sur Facebook. Maman, pipi. Hein? Qui va le bicovine, il y a sur Facebook, maman? Vous voulez quoi la petite fille de tu? J'ai rien même dit que. Ma chérie, ton enfant baisse. Écoutez. Oui, je dis ça. Voilà. Ma fille aussi. C'est ma fille, je l'aime, je peux pas les. Rêve Mina. Tiens, tu fais les archives, non? On va entrer dans les archives. Et pour ta grande soeur, c'est du lourd. Mais ta grande soeur, sa bouche n'est pas de frein. Elle insultait tout le monde. Tout le monde. Jusqu'au mari de Mme Soukho. On va entrer dedans. On continue. Un corps normal. Parce qu'elle s'est fait moquer par ses amis à l'école. Écoutez. On la pointe du doigt quand elle passe. Et là, comme elle est grosse. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te concentrer à faire en sorte que ton enfant ait le régime alimentaire. Elle ne peut diminuer. Laisse l'enfant des gens. Tu es une mère indigne. Tu es une mère indigne. Alors arrête de venir donner les leçons de morale à la petite fille qui se bat. Qui se bat avec son petit commerce. Tu osais dire que vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte de vouloir tuer l'enfant des enfants. Les gens se font. Elle vous doit quoi? Je soutiens Mélanaï. Moi, je soutiens cette petite fille-là. Chancelée la soutient. Nous la soutenons. Vous n'allez rien faire la petite fille-là. Multipliez vos directs. Vous l'avez fait connaître depuis quoi? Tu t'assois là et puis une autre que je ne sais pas où. Tous ces ratés femmes-là, les mamans qui se disent, maman, vous vous occupez de vos enfants quand? Vous prenez papa les moussoungas. Qu'est-ce qu'on fait les moussoungas? C'est le bout de cobignac. C'est le tomate avec le cube manger, on mange. Vous pouvez monter quoi aux gens? Tu osais dire que oh, j'avais menti que j'utilisais les radis à Mélanie. Je n'ai jamais utilisé ça. Tu étais forcé de venir dire, tu étais obligé de dire ça. Tu étais obligé de dire quand tu as fait le moussounga. Tu étais obligé de venir dire ça. Quand je vous ai dit que ne soyez pas fan. Soyez fan, ne soyez pas fanatique. Quand on est fanatique, on peut induire son bourreau en erreur. On peut induire sa star en erreur. Maïlis Bagavène m'a appelé, elle m'a gronté. Elle m'a gronté que Lolo, non. Tu as donné rendez-vous pour le direct. Tu dois faire le direct. On a voulu se prendre dès qu'on peut qu'elle a raison. J'ai crié quand j'ai dit. Naïna, non, maman, elle a dit que tu vas que faire le direct. C'est qu'on appelle aimer quelqu'un. Où est tout ce qu'elle fait? Elle a raison. Devant vous, vous ne l'aimez pas. Personne ne vous aime cette fille. Vous ne l'aimez pas, vous mentez son mensonge. On se voit. Vous ne l'aimez pas. Je suis la fille derrière elle. Je suis la star derrière elle. Je t'ai vu au Cameroun, toi, Zakoula. Je t'ai vu au Cameroun. Moi, je t'ai vu au Cameroun. Tu allais à la télévision. Depuis que tu vas au Cameroun, depuis que tu es allé à la télévision un jour. Tu es allé à la radio. Pour aller dire que oui, ils sont dans une. Tu allais représenter quoi à la télévision camerounaise? Tu allais représenter quoi à la radio camerounaise? Tu allais faire quoi là-bas? Pour aller raconter les histoires depuis les mangas de Facebook. Tu n'aurais pas dit que la fille que tu soutiens a mis mes fesses dehors. Tu n'aurais pas dit que la fille que tu soutiens a mis ma nudité dehors, mais elle a mis la nudité de ta ligne dehors. Et ce journaliste en rat là, qu'est-ce qu'il t'a posé comme question? Tu voulais te faire voir. Quand tu arrives au Cameroun, tu es à la radio. Moi, j'irai étudier. Ou tu n'iras pas. Femme des blancs, tu osais mentionner que j'avais même menti que j'utilisais Radia Mélanie. Qui ignorait que tu mentais, ton temps n'avait pas changé. Ton temps n'a jamais changé. Tu ne respectes pas, tu déshonores la famille Ngaba. Tu as la samane de pierre, de trois feux, de
à 5 là-bas, de l'entendre du tien chez Florent, donc vous baisse dans les toilettes là. Tu es sur la voie de Tui. Ta fille la teigne, elle a même pas l'air de ta fille. Est-ce que c'est la même génération? Elle, au moins, elle a déjà un chiffre d'affaires. Où elle fait des business. Va former ton enfant. On ne veut pas les enfants des autres. Lâche cette petite fille tranquille. Colle les baskets, d'accord? Tu n'as rien, toi, de Doué Gaba. Ton mari, c'est le chef de l'USN, Zakola. Le chef de l'USN. C'est là-bas, il peut te vider ses couilles. Mais tu ne lui donnes plus envie. Tu as vu? Rêve Mina. Regarde comment ta propre grande sœur insulte le mari de Mama Misunga. Que son mari, c'est le chef de lui. Là où il partait vider ses couilles. Hein? Vous voulez qu'on reçoit la remembre? C'est sale. Je suis sûrement que quand Pipi va écouter ça encore, elle aura même honte d'elle-même. Parce qu'elle est là, elle est là, elle est abonnée dans tous mes pages. Tous ces ténébreux-là sont sur mes pages. Elle est là, elle écoute. Je suis sûrement que quand elle écoute ça, elle va, mon frère, on va encore remettre encore le remembre. Si c'est trop bon. Alors, Tais-toi. Faut nous coller la paix. On en a marre de vous. On en a marre de vous, des mamans qui ne se respectent pas. Tu ne peux pas te fermer ta gueule. Et un point, tu peux pas dire que non, on va essayer de réunir. On va appeler la deux parties. On va essayer de mettre du calme. Tu nous as dit que j'avais même menti que je disais Radia Mélanie. Tu peux payer Radia Mélanie que tu en as pas. Va appeler des gens là de venir m'insulter ça. Encore normal. Parce qu'elle s'est fait moquer par ses amis à l'école. On la pointe du doigt quand elle passe. Que là, comme elle est grosse. Qu'est-ce que tu vas faire? Elle insulte un enfant, elle insulte la fille de Mama Misunga qu'elle est grosse. Elle insulte la fille de Mama Misunga qu'elle est grosse. Écoute-toi. Après, on se montre que ton enfant est le régime alimentaire. Elle doit être diminuée. Laisse les enfants des gens. Tu es une mère indigne. Tu es une mère indigne. Alors arrête de venir donner les leçons de morale à la petite fille qui se bat. Qui se bat avec son petit commerce. Tu osais dire que vous n'êtes pas honte. Vous n'avez pas envie de vouloir tuer les enfants, les gens se font, elle vous doit quoi? Je soutiens Mélanaï. Moi, je soutiens cette petite fille-là, chancelée la soutient. Nous la soutenons. Vous n'allez rien faire, la petite fille-là. Multipliez votre direct. Vous l'avez fait connaître depuis quoi? Tu t'assois là et puis une autre que je ne sais pas où. Tous ces ratés femmes-là, les mamans qui se disent, maman, vous occupez de vos enfants quand? Vous faites pas les moussoungas, qu'est-ce qu'on fait les moussoungas? C'est le bout comme il y a, c'est le tomate avec le cube mangé, on mange. Vous pouvez monter quoi aux gens? Tu osais dire que j'avais menti que j'utilisais les radis à Mélanie, je n'ai jamais utilisé ça. Tu étais forcé de venir dire, tu étais obligé de dire ça. Tu étais obligé de dire quand tu as fait le Moussunga, tu étais obligé de venir dire ça. Quand je vous ai dit que ne soyez pas fan. Soyez fan, ne soyez pas fanatique. Quand on est fanatique, on peut induire son bon. Il te dit que parce que c'est dit que c'est une. Une mauvaise femme. Elle m'a gronté que Lolo, non. Tu as donné rendez-vous pour le direct, tu dois faire le direct. On a vu ce point, dès qu'on pique la raison, viens crier quand je veux crier. Elle a dit que tu vas que faire le direct. C'est qu'on appelle aimer quelqu'un. Vous voyez tout ce qu'elle fait. Elle a raison. Devant vous, vous ne l'aimez pas. Personne ne vous aime cette fille. Vous ne l'aimez pas. Vous mentez son mensonge. C'est quoi? Vous ne l'aimez pas. Je suis la vue derrière elle. Je suis la stamane derrière elle. Je t'ai vu au Cameroun, toi, Zakola. Je t'ai vu au Cameroun. Moi, je t'ai vu au Cameroun. Tu es allé à la télévision. Depuis que tu vas au Cameroun, les pères, tu es allé à la télévision un jour. Tu es allé à la radio. Pour aller dire que oui, ils sont dans une. Tu es allé représenter quoi la télévision camerounaise? Tu es allé représenter quoi la radio camerounaise? Tu es allé faire quoi là-bas? Pour aller raconter les histoires de cul et les mangas de Facebook. Tu n'aurais pas dit que la fille que tu soutiens a mis mes fesses dehors. Tu n'aurais pas dit que la fille que tu soutiens a mis ma nudité dehors. Elle a mis la nudité de ta ligne dehors. Et ce journaliste en rare là. Qu'est-ce qu'il t'a posé comme question? Tu voulais te faire voir. Quand tu arrives au Cameroun, tu es à la radio. Moi, j'irai étudier. Ou tu n'iras pas. Femme des blancs. Et puis le point, c'est que le journaliste Ara que tu insultes là, c'est le même journaliste à qui tu as commis au Cameroun. On sent que tu étais une envieuse. Le journaliste Ara que tu avais insulté là, c'est le même journaliste que tu es parti au Cameroun, tu as commis. Tu osais mentionner que j'avais même menti que tu disais Radia Mélanie, qui ignorait que tu mentais, ton temps n'avait pas changé. Ton temps n'a jamais changé. Tu ne respectes pas, tu déshonores la famille Ngaba. Tu as la stamane, c'est maintenant des billets, des trois feux, des trois cinq là-bas, de l'entendre du tien chez Florent, donc vous baisse dans les toilettes là. Tu es sur la voie de Tui. Ta fille la teigne, elle a même pas l'air de ta fille. Est-ce que c'est la même génération? Elle, au moins, elle a déjà un chiffre d'affaires, où elle fait des business. Va former ton enfant. On ne veut pas les enfants des autres. Lâche cette petite fille tranquille. Colle-lui les baskets, d'accord? Tu n'es rien, toi, de Doué Gaba. Ton mari, c'est le chef de l'USN, Zakola. Le chef de l'USN. C'est là-bas, il peut te vider ses couilles. Parce que tu ne lui donnes plus envie.
Voilà. Alors tais-toi. Tu as compris, Noreen Binda? Tu as compris? On continue, on va continuer, on va chercher d'autres. C'est pour te dire que moi, j'ai trop pour ta grande soeur. Donc, tu veux montrer que tu as trop les archives. Tu n'as pas. En point, je vais parler de toi aujourd'hui. La première fois que je vais parler de toi, je n'ai pas eu le temps de projet. Je vais parler de toi sans t'indexer, sans te faire, sans t'insulter. Parce qu'il y a eu des fois où j'ai été un peu dur avec toi. Mais je vais parler de toi aujourd'hui avec le cœur du maire. Tout d'abord, je tiens à m'excuser auprès de toi. Je tiens à m'excuser auprès de toi. Pourquoi? Parce que j'ai eu à t'appeler tes produits radia brûlés. Oui, non. Rêve, Mina. Écoute, voilà une famille qui passe son temps à détruire les produits des gens. Rêve, Mina. Rêve, tu peux entrer dans les archives avec moi. Tu peux entrer dans les archives avec moi, Rêve, Mina. Voilà une famille qui passe le temps à détruire le commerce des gens. On va continuer. Pourquoi? Parce que savoir comment une jeune... Ça, merci à toi, chérie. Attends. On va écouter, hein, écoute. C'est bien mis les archives que les Camerounais écoutent. Quelle est cette famille des Biarmen? Et toi? Je n'ai pas eu le temps de projet. Je vais parler de toi sans t'indexer, sans te faire, sans t'insulter. Parce qu'il y a eu des fois où j'ai été un peu dur avec toi. Mais je vais parler de toi aujourd'hui avec le cœur du maire. Tout d'abord, je tiens à m'excuser auprès de toi. Je tiens à m'excuser auprès de toi. Pourquoi? Parce que j'ai eu à t'appeler tes produits radia brûlés. Pourquoi? Parce que je me suis posé la question à un moment de savoir comment une jeune fille aussi talentueuse, aussi ambitieuse, une jeune fille de ton âge qui a eu cette idée, une jeune fille créative, qui a su travailler son cerveau et lancer un business, peut se mélanger à tout ce qu'on voit sur Facebook. Comment elle a pu se laisser berner à ce point? Il y a des moments où je regardais des directs, je me disais que ces personnes-là t'ont fait comprendre qu'ils sont les dieux de la toile. Pourtant, au fond, ce ne sont pas les dieux de la toile. Ils t'ont fait comprendre qu'avec que tu devais avoir la gloire, pourtant avec que tu devais plutôt avoir la descente aux enfers. J'ai compris ça depuis. Raison pour laquelle j'ai parfois dit radia brûlée. Parce que j'étais choqué. Donc, attends, pipi. Donc, comme la petite fille là, comme tu as reçu sur le produit Radia, donc comme Radia Boulet est parti voir Mafo, c'est pour ça que tu as acheté ce produit que Radia Boulet. Regardez une famille, hein. Regardez, bon, franchement, rêve Mina, tu sais quoi, dépose des armes. Tu ne peux pas au remember. Si tu es une femme, sors une vidéo où ma papa a salé, a détruit les produits que sur la toile. Regardez quelqu'un, regardez une femme. Parce que tu parlais, j'ai vraiment de dire. J'ai mentir par des personnes qui n'ont plus de crédibilité auprès des gens. Ne croyez pas que avoir 1000 ou 5000 personnes en ligne, ça veut dire que ces personnes-là sont là parce qu'ils sont intéressés par ce qu'on dit. Ils ne sont pas intéressés. C'est bizarre que comme toi hier, tu as eu plus de 1000 personnes en ligne. C'est-à-dire que les personnes qui te suivent ne sont pas intéressées. Tu dis un truc, tu viens de dire le contraire aujourd'hui. On va continuer. Rêve Mbinda, j'espère que tu es prête pour le remember. J'espère que d'où tu es là, tu es prête. Parce qu'on va faire du sale. Et bien, parce que tu es juste Pascal. Et cette personne n'a jamais tort. Dans tout ce qu'elle fait, ces gens de Facebook-là, ils n'ont jamais eu tort avec personne. Ils n'ont jamais eu tort avec qui que ce soit. Ils n'ont jamais eu tort avec qui que ce soit. Ils ont toujours raison ce qu'ils disent. Ça veut dire que c'est là des personnes malades. Ils ont un problème de cerveau. Ils sont insultés. Parce que quelqu'un qui n'a jamais eu tort dans tous ces problèmes, c'est quelqu'un que je considère comme un fou. Parce que moi, il y a des moments où j'ai eu tort. J'ai eu tort quand je me suis conquis. Plusieurs fois, j'ai eu tort, mais j'ai demandé pardon. Donc aujourd'hui, je vais m'adresser à toi. Comment une jeune fille a pu se laisser berner? Une petite fille qui a plein de talent. Aujourd'hui, je te dis, ma fille, je te demande pardon, pas peut-être parce qu'il a envie de venir travailler avec toi. Pas peut-être parce qu'il a envie que tu crées madame l'édition Lolo Fodja. Non. Hein? Ma chancelière, elle fait le même business que toi. Je ne veux pas laisser ma chancelière te prendre. Jamais dans la vie. Rêve Mbinda, toi-même, tu as vu comment ta propre. Va ça les archives. Toi-même, tu as vu comment ta propre grande soeur appelée ma chancelière. Ma chancelière. Donc, ça veut dire que Pipi a été tout fan de ma pépé. Rêve Mbinda, sort une vidéo où ma pépé a dit que ma pipi n'y a pas. On va encore remettre le remember. Si c'est bon à moi, jusqu'à. Moi, je suis quelqu'un
Je préfère ma chancelière que toi. Tu comprends? Pardon, parce que tu es l'exemple de beaucoup de filles. Tu es l'exemple de la jeunesse camerounaise. Tu es une petite fille qui a une agnac. Tu as du courage. Attends, tu as comment pipi à valoriser. Bref, Mida, c'est les archives. Tu veux comment ta propre soeur valorise ma pépé? C'est dit que. Attends, on va remettre ça. Ma chancelière. Parce que tu as. On va remettre ça. Bref, Mina, tu es là, tu m'écoutes. Vous êtes tout abonné, ça part à cœur ouvert. Écoute comment elle valorise. Vous êtes. Bref, tu sais comment faire le remember. On va faire le remember. C'est qui est-ce que. Tu es parce que tu es de Pascal. Mm-hmm. Et cette personne n'a jamais tort dans tout ce qu'elle fait. Ces gens de Facebook là, ils n'ont jamais eu tort avec personne. Ils n'ont jamais eu tort avec qui que ce soit. Ils n'ont jamais eu tort avec qui que ce soit. Ils ont toujours raison ce qu'ils disent. Ça veut dire qu'il y a des personnes malades. Ils ont un problème de cerveau. Ils sont des. As-tu, Renaud, bonjour. Parce que quelqu'un qui n'a jamais eu tort dans tous ces problèmes, c'est quelqu'un que je considère comme un fou. Parce que moi, il y a le mot, j'ai eu tort. J'ai eu tort quand je me suis conquis. Je n'ai pas eu tort, mais j'ai demandé pardon. Donc aujourd'hui, je vais m'adresser à toi. Comment une jeune fille a pu se laisser berner? Une petite fille qui a plein de talents. Aujourd'hui, je te dis, ma fille, je te demande pardon, pas peut-être parce que j'ai envie de venir travailler avec toi. Pas peut-être parce que j'ai envie que tu crées madame l'édition Lolo Fodja. Non. Ma chancelière, elle fait le même business que toi. Je ne veux pas laisser ma chancelière. Tu comprends? Ma chancelière. Tu vois comment elle idolâtrait maman Pépé? Elle, ma chancelière. Rêve, Minda. Si tu es une femme, sors une vidéo où ma Pépé valorisait Pipi, il n'y a pas. Entre les deux, qui était fan de l'autre? Pipi était fan de ma Pépé. Elle était fan d'elle. On écoute encore, écoutons. Je ne te prends jamais dans la vie. Moi, je suis quelqu'un qui dit les vérités. Je préfère ma chancelière que toi. Alors, mais là, comprends, je préfère ma... Plus de deux fois, hein. Je préfère ma chancelière que toi. Tu comprends? Elle valorisait. Devant plus de 1000 personnes en ligne. Elle valorisait ma pépé, ma chancelière. On continue. Voilà mes gens, hein. Je vais demander pardon parce que tu es l'exemple de beaucoup de filles. Tu es l'exemple de la jeunesse camerounaise. Tu vois, non, bref, Mina, ta propre grande sœur, elle valorise notre petite fille. Alors que toi, elle dit que tu as fréquenté, mais t'as jamais valorisé devant mille personnes. Tu es tellement bête. On continue. Tu as une agnaque. Mm-hmm. Tu as du courage. Mm-hmm. Tu n'as pas eu peur. Tu es une petite fille courageuse. Oui, ça, je te tiens un coup de chapeau. Parce que tu as. Voilà ça. Elle valorise une autre personne que toi. Au lieu que tu es sa propre petite soeur. On continue. Ma fille, ma spotless sénégalaise. Pourquoi on fait le parfum? J'adore Dior en absolu. Dior instance. Avec tout ça, je suis amoureuse de ma fille et j'adore Dior. Les lumières, tout. Les cadeaux. Merci à toi, ma fille chérie Dior. Ma spotless sénégalaise. Voilà, c'est toi. Merci à toi, mon bébé. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. J'ai vu ton cadeau. Voilà une trousse, j'adore Dior. Il y a tout qui est là. Elle a mis son adresse. Et il y a une carte. Je vais lire ce que tu as écrit pour moi. Ma très chère Tata Lolo, il existe autant d'émotions. J'adore que de personnalités. Pardon, Baba. Parce que tu es juste Pascal. Et cette personne. Je vais mettre ça à ton honneur. On met le parfum sur la bille. On met pas le parfum sur le corps. Mmh. Et ça, elle m'a dit d'utiliser ça juste un peu comme ça, sur les côtés, pour sentir. Merci mon bébé, j'ai réussi tout. Et là, je sens bon, je peux parler. Bon, compression, yes, hello. Voilà. T'as compris. Regarde, Mina, voilà ta propre grande soeur qui peut valoriser ma pépé. Compression, yes, so. On continue. C'est Dougoundé. Bonsoir, mais en tout cas, bonsoir à tout le monde. Si Tata Lolo prend la parole, c'est parce que j'avais décidé depuis un temps que je vais me limiter dans les clashs. Si vous pouvez me faire l'honneur de partager, parce que ce qu'il va dire aujourd'hui, c'est très pertinent. Je vais m'adresser à la petite fille qu'on appelle Mélanie. Tout d'abord, ma fille, parce que moi j'ai 41 ans. Uh-huh. Et j'estime que. Pipi avait 41 ans, il se lève. C'est l'âge de Kumba. Mais ce 17, tu sais, c'est pas il y a 3 ans. Donc, son compte est 41 ans jusqu'à maintenant. C'est vrai que Pipi, pas dans les soixantaines. Avoir dans les.
28-30. Donc, je ne sais pas, dans ma tête, je ne suis pas dans les 25 ans. Oh mon ami, on connaît quelqu'un derrière quelqu'un. Et si tu vois que tu vas être connu derrière quelqu'un, que la personne te rapporte rien, qu'est-ce que tu fais? Tu te retires. Connaître quelqu'un ne veut pas dire que tu vas te dire quelque chose, pas aller dans une boutique. On connaît quelqu'un derrière quelqu'un, donc tu t'es connu derrière. Tu t'es fait connaître derrière maman Pépé. Comme je n'ai pas de téléphone, donc je n'avais pas trop l'esprit de faire un direct aujourd'hui, mais les spotless se sont réunis avec la chancelière qui m'a aussi demandé. J'ai compris, j'ai compris, la chancelière, tu as compris. Rêve Mbinda. Viens voir ta propre, ça c'est le direct, hein. J'ai coupé un peu, mais dans le direct, si maman, elle valorise sa patronne qui est maman Pépé. Ah, maman. On ne te voit pas depuis, donc tu as ton mot à dire. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de m'adresser à la petite qu'on appelle, comment on appelle, Radia Mélanine. Déjà, en premier, partager le direct. Voilà, c'est déjà bon. Radia Mélanine. Et dit que pipi, c'est si. Vraiment, encore vous énervez. Vraiment, encore mon père, enfin, sur moi, c'est ma fille qui m'a envoyé ça. Qui m'a envoyé, elle travaille à Sephora. Tous les mois, j'aurai les nouveaux parfums. Ça vous fait mal où? Vous cherchez la tamale, vous forcez, ça ne donne même pas sur vous. Ça ne donne pas, vous forcez. On vous a vu à la soirée à Saint-Denis là. C'était comme les guignols, les tintins, les vaches qui rient, assis là comme ça, serrés. Pendant que le bourreau était assis comme ça là. Vous n'avez pas honte. J'aime pas Ouna. J'aime pas Ouna. Courage à Belanaï. Et bloquez-moi tous ces microbes là. Tu veux me gêner quand elle fait mon direct. Je vous appelle ici. Vous venez faire quoi là? La femme, si. On continue. Tu es folle. Tu n'as pas le droit de soutenir cette petite fille là. Elle a l'âge de ta fille. Elle a l'âge de ta fille. Ta fille qui a la main qui peut autant manger dans tes marmites. J'ai compris. Elle insulte comme ça la fille de Mama Misunga. Elle insulte comme ça la fille de Mama Misunga. Rêve Mbinda, voici ta propre soeur qui insulte la fille de Mama Misunga, qu'elle mange dans les mamites. On va continuer la vidéo aussi. De faire un régime alimentaire. Pour qu'elle soit aussi belle comme ses camarades. Elle se fait pointer dans les rues. Regardez comment elle est là-bas. Regardez une fille qui a le poing comme sa mère. Non. Attends. Elle a le même poing que ta fille. Elle a le même. Attends, écoutez, on va encore écouter la vidéo aussi. Écoutez. Comment l'insulter la fille de Mama Misunga? Rêve Mbinda, ça tu es pote pour les archives. On va continuer. Hein? On ne fuit pas. Hein? Parce que là, comme tu as commencé, on va finir ça. On va finir les archives de pipi. On va finir. Comme tu as commencé. Non, le Ron, hein? On ne fuit pas. C'est-à-dire ce quoi? Bande de haineuses, bande de sorcières, de femmes. Vous avez monté à vos mondes, vous êtes des méchantes personnes. Des méchantes personnes. C'est pas moi vous avez appelé Julien Azela un an là. Donc vous avez venu prendre ma place. Et là, les dommages, les 10 débits sont ici dans Facebook. Je vois que c'est la scène. Vous allez ouvrir vos bouches, vous allez parler qu'il reste le coup de boulot. Vous allez me faire quoi? Bande de rapalmistes. Quand vos commerces sont hautes, nous avons aux transsexuels des années 60. Les transsexuels, tu les vois, ils mettent les boucles, ils sont comme les piculiques. Vous les parlez, le groupe à la guide, vous allez me faire quoi? Là, vous m'indiez. Moi, je suis dans la situation du mal. Pipi. Vous allez me faire quoi? Tout le monde, vous appuyez, vous allez me faire quoi? Allez m'appeler le lobe pipi, du vous. Je n'ai pas honte. On peut rester en harmonie, tout le monde peut rester calme sur la toile. Tout le monde fait son truc. Quand tu fais ton business, quand tu fais son accord, chacun fait son truc. Et vous, il n'y a pas de problème. On voulait tout créer la haine, il n'y en a pas. Maintenant, respectez-vous un peu. Il y a deux, on vous met à l'aise, on te met en bagarre comme deux femmes. Que si tu me sers, je
Quand j'avais cassé les Camerounais, dis-moi ce que moi je te dis, c'est de mettre la paix et qu'on passe à autre chose. Moi, c'est pas ce que je dis à quelqu'un, c'est ce que je dis. Papa. Là, on a pris au Cameroun, il t'a aimé, tu ne connais pas encore le Bouzaïen. Les gens, vous allez nous raconter tout ça, c'est un gros menteur, monsieur-là. Il est tellement méchant que j'ai. Quand je vois le gars, les gens, j'ai vu le diable en personne. Le tortue ninja. Tortue ninja. Le plus laid de Flore, le plus laid des Camerounais que j'ai rencontré là-bas, même les douzièmes qui vous connaissent, je suis une grande et des grandes maisons. Le plus laid. Tu as le tirage, j'avais la culotte. Comme les gens disent que le pour la culotte, la culotte est pour les hommes, mais en été. Tu vois, c'est un bébé fou de la patte. C'est un méchant type. La chancelière, ce qu'il a fait à Tangoua, tu te rends compte que Tangoua fait venir cette fille en Europe. La fille a accouché au Cameroun, Tangoua fait venir enfant en Europe. La fille est restée à Tangoua à la maison pendant un an. Elle a fui la même vie, s'installer en Belgique. Et en Belgique, Tangoua a doté sa mère. Tu es chez nous les Américains, quand ta mère n'a pas été dotée, toi ça tu vas pas te doter. Donc si tu veux épouser une femme, tu es obligé d'aller doter la mère de la femme. Avec toute aussi la femme là. Donc Tangoua a doté sa mère à battre femme. Ok. Il dit que Rêve Mbinda, j'espère que tu es prête. Parce que parce qu'on va faire du sale sur la toile. Du sale. Parce que vous pensez que vous connaissez vous qui avez les archives. C'est vous ceux qui avez les archives. Il y a les archives que même Pipi a oublié. Que moi et tu sais ici là. Regardez là. Une junkie. Regarde comme elle boit. Elle a mis à saouler. Regardez. Regardez là. T'es casse pas. Regardez, c'est une femme. Regarde la fille du commissaire Buzer. Regardez. Elle avait appelé le tas. Battre la sale peste de Facebook. Elle ne va pas nous gagner. Nada. Nia. Tu mens. Ma chérie, tu as trouvé compté. Tu me connais à taille compresso. Tu ne peux pas. Regardez, viens écouter. Compresso, c'est ma petite récée. Alors. Hein? Voilà. Regardez, Mida, tu as écouté. Tu as écouté ta grande sœur. Elle a dit que compresso, là, c'est ma petite récée. C'est que ta propre sœur était fan. C'est la première fan de ma pépé. On écoute. Ok, les cartes bien, ton mari n'a resté, tu sais ce qu'ils ont fait. Elles ont envoyé les femmes des papas foudres de venir récupérer. Elles vont filmer, ça me dit au mari. Mettez les photos, nous on va que commenter. Et il va toujours caler. Même si pareil, on va toujours le papa foudre, mais Lolo Foudre va rester. Je ne change pas le nom, la nan bien. Allez qu'à la police. Même si papa. Le nom là va rester dans bien. Compresso, c'est ma petite soeur d'amour. Ma victoire avec. C'est moi qui ai le nom. Tomo Chantal Flore, alias Chantal Oum sur Facebook, qui est en train de publier les photos de l'homme Biaï, alias Lolo Foudia. Les photos que j'avais chez moi dans ma clé qu'elle a trouvées, parce qu'en ce moment, elle et moi ne sommes pas bien. Voilà. Et cette fille ne lui a rien fait. C'est l'affaire, elle a fait à moi. C'est qu'elle publie mes photos en deux. C'est Pipi elle-même qui s'est publié. Il n'y a pas question. C'est Pipi elle-même qui s'est publié. Parce qu'elle est l'instant mania. C'est Pipi elle-même qui s'est publié. Ce n'est pas la femme d'Otam. C'est pas la femme de papa Otam. C'est Pipi qui s'est publié elle-même. Parce qu'elle est l'instant mania. L'instant mania a tout pris. Mais c'est la loupe en route. C'est elle-même qui s'est publié. Il n'y a pas question que. Regardez les archives des Congos. Ça, regarde, je vais mettre encore ça. Comment dire? Regardez. Regardez la famille. Ah, ta femme, pourquoi ça, on ne te dit pas ça, on m'a dit ça où Non, c'est pas qu'on parle derrière ton dos. Faut que tu changes. Quand tu es devant les gens, quand tu es devant les trucs. Moi, je suis zombie. La même est manière, maman, comme ça. C'est à cœur ouvert qu'elle fait ça. Elle n'a jamais parlé de gros mots à cœur ouvert. C'est quand elle fait son diapopé, elle dit les gros mots. Même, il faut modérer tes gros mots là. Les gens te regardent, beaucoup de gens te regardent. Il faut modérer tes gros mots là. Je parle plus des gros mots là devant les gens. Elle s'est énervée quand on parle derrière son dos. Regardez. Regarde la femme, regarde les pipi mania, mamie Congo, ça regarde Julien Zombie.
On parlait, moi je donnais mes conseils dans le lot. Tu as de partir dans les grandes télévisions, tu te vois au-delà de Facebook. Donc essaye un peu de modérer tes dirais avec les coups de la main et les mots grossiers. Et puis Santa Pama aussi agitait avec moi en fait, on lui donnait des conseils. Ah, justement, s'enflammer, non, vous m'avez connu comme ça, et moi je ne peux pas changer comment je suis, et puis arrêter de parler derrière mon dos. Marc là, bonjour. Toi, on te coach, tu ne peux pas. Le problème de coaching, c'est payant. C'est juste que tu changes ton comportement. Et là, elle est à insulter les gens et tout, c'est pas bien. Et donc là, elle a commencé à s'enflammer pour dire non, mais tu t'enflammes pourquoi? Si on ne te dit pas ça, on m'a dit ça où? Non, c'est pas qu'on parle derrière ton dos. Il faut que tu changes. Quand tu es devant les gens. Regardez là, elle met des pipes. Elle m'a mis comme ça. Nervose de ça. Chanto a fait le poste sur. C'est le lot. Attends, tu es ma fille. Et l'autre, c'est ça. Maman, c'est ça. Maman, elle est la reine, mais elle aime le Congo. Ça, c'est quand le nom de Maachan est passé dans sa bouche. Non, je te donne le chapeau. Il y a quelque chose qui a fait Maachan, elle me met grave. Maman, c'est l'autre, c'est ça. Il faut aller voir son mur. Comment la valoriser, t'as l'autre là-bas. Il va mourir de rire. Nathalie Ngancha, bonjour. J'espère que tu vas bien. Et tu vois un peu comme je te disais que la dernière fois on parlait d'elle. Candy Samba, bonjour. C'est pas la foutre, comment je peux te dire. Elle est. Peut-être qu'elle, c'est parfois ses émotions, elle ne les contrôle pas. Déjà, elle ne les contrôle pas. Parce que même ma soeur, c'est pas que ça s'appelle tous les jours. Moi, je te dis, ça veut dire, je te confirme ça, c'est pas tous les jours. Comme toujours. Voilà ça, voilà ça que la reine met. Grave Bida, voilà ça que la reine met de Pipimania. Qui dit que même elle est ta propre soeur. C'est pour ça que Pipi n'est pas été fabriqué. C'est pour ça que Pipi ne parvient pas à te fabriquer, parce que vous n'êtes pas même père. Hein? Vous êtes même, mais pas même père. C'est ça que Pipi ne parvient pas à te fabriquer. Donc, laisse ma pépé tranquille. Que tu es? Je vais marier. Quelle marée? Non, je vais te marier. Je vais ton papa aussi. Hein? Mais je vais te faire. Marie, vas-y, on va faire le dire. D'abord, je viens. De mettre à d'orbe. Maman, mais merci. Écoutons la reine des Pipagnas. Et bien, tu sais, à côté de moi, Marie, elle dit que Marie, mais quand le direct là est très sucré. Elle dit que comme ça, quand tu fais le direct dans le noir, non. Parce qu'elle veut rêver Mbina, elle veut monter un peu qu'ils ont les archives. On va sortir les remembers. J'espère vraiment qu'elle est prête. J'espère qu'elle est prête. Ah, parce que les audios de la reine et de toute manière est pleine dans mon téléphone. J'espère que vous êtes prête. J'espère que vous êtes prête parce que moi, non, Ron, on ne fuit pas. L'adversaire. Mais quand elle m'assoit, qu'elle est sortie, le cadavre de Pipi sur Facebook, vous allez fuir. Vous allez fuir les réseaux sociaux. Parce que quand une conversation se repose, c'est les séances se reposer. Allez pas. Bon, pour ton casson, toi, le casson, toi, le toi, il. Quand est-ce que c'est dit ça? Porte, allez, porte ça. Attendez, porte la vie de Marie, elle me dérange. Porte ça, porte le mouton de là. Porte? Si porte, apprends à porter le mouton de sort là. Après, donne des trucs très chers. Hein? Tout très chers encore. Les fétines dérangent Marie. Je vais faire les fétines à Matina, ça dérange à mon ami. Écoute, c'est toi. Pourquoi? Pourquoi c'est toi, écoute, c'est toi. Elle dit que, excusez-moi, je suis en train de. Porter les caleçons de Marie. Marie me dérange, maman. Non, elle doit être tellement prête. Flop, elle doit être prête parce que. Elle dit qu'ils ont les remembers. Parce que moi, mes remembers sont trop forts. J'ai les remembers de ça, de fait soeur. Mais les remembers de son mari congolais. De son gars. Donc, pour le moment, si elle est une femme, qu'elle soit avec un Allemand, on voit. Rien de bizarre, si tu es une femme. Prends seulement un, parce que pour moi tu n'es même pas star. Ça c'est pas mal. J'ai mis ta grande, mais ta grande sur moi c'est un peu star sur Facebook. Mais toi tu. Donc ta photo, tu vas même passer sur ma part. Je vais même pas être dénigré, comme ça là. Parce que pour moi tu n'es pas star. Pour moi tu n'es même pas star. Pour moi tu n'es même pas une blogueuse. Rêve Mida, si tu es une femme, sors d'abord avec un homme allemand, on voit. Même pas un blanc, hein. Mais avec un gars qui fait quand t'as un allemand, on voit. Mais tu es obligé d'aller épouser un. Tu as laissé les allus, tu as laissé les gens qui fréquentent pour aller sortir avec un Congolais, pour faire l'enfant avec lui. Maman, l'enfant de ça. On continue les audios.
On est parti sa mère, j'avais été fâché jusqu'à elle, elle a fait une semaine, je ne parlais pas hein, avec elle. Hein. Maman. Et puis c'est pas toi qui s'appelle tous les jours, c'est pas tous les jours. Donc, elle peut être causée avec ses demandes, mais elle peut causer avec sa soeur. Tu as compris? Va la reine, mais les pipimania qui dit, qu'elle pouvait causer avec ses followers. Que de causer avec toi, Rêve Mina, c'est que ta propre soeur ne te considère pas. Elle n'est pas même pas te fabriquée, elle ne te fabrique pas. Hein? C'est quelqu'un comme ça. Vous m'avez son mari, elle nous a dit c'est comme ça. C'est pour vous qu'il a rendu comme ça. Il ne sait pas. Je ne connais pas avant. Pour la dire, pour dire. Donc, tu vois? On fait avec. Regarde la reine, mais les pipimania, le Congo, ça, c'est ça. Même avec son mari, ne causez pas. On continue les audios. Moi, c'est pas. J'étais étonné, je m'en dis waouh. De la manière là, il n'y a pas les petits dedans, hein. Ah oui, hein. Ton mari aussi a bien de l'argent, apparemment. Il n'y a rien de même pour vous, ça. C'est le même que vous me disiez, ça va toujours encore. Mais. Il dit que la reine et la reine et puis Maya tiennent le Congo, ça, hein. Écoutons les audios. Ouais. Et après, elle s'est endormie. Maman, Pipi s'endort. Elle s'endort dans le Japap. Elle dort. On a fait le Japap jusqu'à 5h. Non, jusqu'à 4h du matin. Le Japap, c'est ça. Maman. Les directs et autres, tout. Comme d'habitude, non. Tu ignores quoi dans le Japap. Merde. Pipi, tu dors en plein Japap, maman. Hey, j'imagine comment tu ronfles. C'est la reine et Pipi Mania qui a dit. La reine et Pipi Mania. Ouais. Et après, elle s'est endormie. On a fait le Japap jusqu'à 5h, non, jusqu'à 4h du matin, le Japap de ça. Les directs et autres, tout, comme d'habitude, non, tu ignores quoi, dans le Japap. Non, maman, je donne le chapeau à la reine, mais Pipi Mania, maman, le chapeau de ça. Mamie Congo, ça, on peut faire le Congo, ça, comme ça, maman. Hey, maman, oh. Maman, les audios de ça, maman, dit que, on va encore les autres, on va laisser, non, dit qu'ils cherchent encore les âges, dit que, Rêve Mbinda, tu as les gars, tu me peux, non. On ne fuit pas, Manoron, on met encore les audios. C'est pas à foutre, comment tu as le peut-être dit, elle est, peut-être qu'elle, c'est parfois, ses émotions, elle ne les contrôle pas. Elle ne les contrôle pas. Parce que même ça, c'est pas que ça paye tous les jours. Moi, j'ai dit ça, je te confirme ça, c'est pas tous les jours. Comme tous les jours, elle a répondu à sa mère, j'avais été fâchée jusqu'à elle, après au moins une semaine, je ne parlais pas hein, avec elle. Hein. Et puis, c'est pas que ça paye tous les jours, c'est pas tous les jours. Donc, elle peut être causée avec ses demandes, même qu'elle est causée avec sa soeur. Donc, c'est quelqu'un comme ça. Même avec son mari, elle nous a même fait comme ça. Attends, c'est pour vous qu'il a rendu comme ça, je ne sais pas. Moi, je ne la connais pas avant. Tu vois, regarde la reine, elle est qu'elle ne connaissait pas Pipi avant. Hein. Je ne connaissais pas Pipi avant, donc elle dénigre Pipi Animorphs. Mais quand ils sont sur Facebook, oh ma soeur, elle fait semblant de l'aimer, mais elle n'assume pas Pipi. Personne ne t'assume, maman ne t'assume même pas, c'est grave. Attends, nous, hein, merde. Personne ne t'assume, Pipi. Fallait te laver au village, hein. Il faut seulement avoir le cœur, maman, c'est la belle stratégie, hein. Stratégie, donc, tout le monde. Après, elle même fait ces choses après, elle est encore là-bas. Regardez. Elle me l'a embrouillé là-bas comme ça avec sa télévision et autres. Pipi, viens écouter, oh. Viens écouter, Rêve Mbinda. Viens écouter la reine et les Pipi Mania qui indiquent Pipi. Laisse Pipi là-bas, elle m'a embrouillé sa télévision. Même la reine et les Pipi Mania n'assument pas la télé de Pipi dans le noir. On écoute. Il faut seulement avoir le cœur, maman. C'est la belle stratégie, hein. Stratégie donc, tout le monde. Après, elle fait ces choses après, elle est encore là-bas. Elle me l'a embrouillé là-bas comme ça avec sa télévision et autres là. Vraiment, on peut insulter, on peut dénigrer la télé de quelqu'un, maman. Regarde comment la reine, mais maman, elle dénigre ta télévision, Pipi. Oh, Pipi, oh, maman. Oh, Pipi. Oh. Personne ne t'assume, Pipi. Pipi, personne ne t'assume. Personne ne t'assume. Même ta reine, mais les Pipi Mania, elle ne parvient pas à t'assumer. Elle ne t'assume pas. C'est vrai que c'est grave, hein. Il faut être lavé au village, Pipi. Va te laver au village. Eh, va te laver au village. Merde. Il dit que on ne l'assume pas. Regardez comment elle insulte les gens ici. Regardez. Même en Côte d'Ivoire, elle insulte. Regardez là. Voilà, je ne marche pas chez toi.
partager le direct. Moi, mais je vais partager sur ma page. On t'a vu ici, là. Regardez combien d'insultes des gens. On a vu ici de l'autre côté payer le Bangala. Regardez. Même en Côte d'Ivoire, voyez ça. Même en, oh, regardez Mina, même en Côte d'Ivoire, pipi insulte de l'autre côté. Écoutons. Paris de la femme de Touri. Tu as utilisé ton argent pour fermer la bouche, tu as amené ta coépouse au restaurant. Aller faire les courses. C'est pas que tu étais amoureuse. Dites aussi que la fille, elle n'a pas parlé depuis, c'est parce qu'elle était encore amoureuse. Elle était en prison de son gourou. Qui on appelle Sidi qui Diabaté? Si tu as gâté là où, lui c'est qui? La femme africaine ne peut pas être solitaire un jour. Tu viens, tu dis donc en Europe il y a ceci. En Europe, tu es venu en Europe, tu t'alignes à la CAF tous les jours. Tu sais comment on a fait pour que les gens s'alignent à la CAF? C'est le combat des femmes. Aujourd'hui, tu es en Europe, tu es une mère seule. Tu reçois au moins plus de toi. C'est au moins plus de toi. C'est 600 euros par mois. C'est le combat des femmes comme toi, le beauté. C'est le combat des femmes qui avaient de l'influence comme toi. Elles se sont placées devant pour mener ce combat. C'est la raison pour laquelle elles ont bénéficié de ces droits aujourd'hui-là. Alors tu devrais profiter de ta autorité pour faire bénéficier les jeunes femmes ivoiriennes, la jeune femme d'Afrique de l'Ouest qui souffre. Tu devrais même profiter de la fin de cette petite fille. Je dis qu'il y a combien d'insultes des Ivoires. On va que mettre ça, papa. Oh, le putain. Putain. Mais c'est que c'est ébarrassé. Tu n'as rien inventé. C'est Zuckerberg qui t'a donné les ouvertures. Pointe, c'est que tu es là aujourd'hui. Comment tu, une femme, une blogueuse qui représente la femme africaine, une blogueuse que les femmes ont vu, qu'on ont fabriqué, c'est les femmes qui t'ont fabriqué, Lolo Beauté. C'est les femmes. Mais, regarde, Bida, va ta petite, va ta grande soeur, elle est folle. Elle a, c'est elle qui avait insulté les produits de Mafo pour valoriser les produits de Lolo Beauté. Mais aujourd'hui, elle est encore l'insulter encore aujourd'hui. On écoute. Tu as dit que tu veux remettre Mafo. C'est que tu es aujourd'hui. Sans les femmes, tu ne devais être rien. C'est dit. Les femmes qui t'ont élevé, c'est les femmes qui t'ont soutenu. Alors une femme vient, une jeune fille, une fille, qui peut être ta fille dans la vraie vie. C'est ta fille. Elle vient se plaindre. Donc, je vais bloquer cet animal-là. J'aime pas les gens comme ça. Il peut, ces gens qui vont m'interrompre. Ouais, même rêver bien. Une jeune fille vient aujourd'hui sur la toile avec une histoire de violence conjugale. Tu prends le direct, tu insultes cette fille-là. Mais franchement, on vit dans quel monde là? Tu ne verras jamais ça chez la femme européenne. Tu ne verras jamais ça. J'ai regardé ton direct, Lolo Beauté. J'ai eu mal au cœur. Je me suis posé la question si ce n'est pas le diable qui a créé Facebook. Et ce sont les êtres humains qui ont créé ces réseaux sociaux aussi. Comment une femme qui est sortie de nulle part, tu as oublié où tu viens, tu es sortie des potes d'Abobo, c'est là-bas où tu as grandi. Pour être ce que tu es aujourd'hui, là, il a fallu que les femmes soient avec toi, que les femmes t'encouragent pour que tu sois Lolo Beauté. Aujourd'hui, tu insultes les pauvres. Tu étais pauvre avant. Ce sont les femmes qui t'ont rendu riche. Mais attends, on vit dans quel monde là? Si tu aimes Lolo Beauté, tu commandes toute la Côte d'Ivoire, mais tu ne vas pas commander Lolo Foja. Non. Tu es une femme que j'appréciais beaucoup. J'avais vraiment de l'estime pour toi. J'étais même envoyé les clients de Jansan. J'ai mes compatriotes, mes sœurs Camerounaises qui vendent le Jansan comme toi. Mais j'ai préféré avantager toi parce que j'ai dit que non. C'est une fille qui sort de loin, qui s'est battue. Ah, tu as vu, non, non, regardez. Tu as préféré avantager elle parce que tu étais jaloux de ta sœur. Tu as préféré saboter les produits de ta sœur pour valoriser Lolo Beauté. Oh, tu es où tu viens encore la clasher. C'est vrai que toi, tu as un problème mental, pipi. Rêve, Mbinda, viens écouter ta propre sœur. Allez à l'hôpital. Maman. Pour la parole, Marie, non. Tu t'es pas soucié de ça. Tout ce qui t'intéresse, c'est parce que tu veux avoir les relations avec Sylvie qui Diabaté. Tu as aujourd'hui avec les riches. Tu as oublié où tu viens. Tu as oublié cette pauvre femme. Tu as oublié de toi ce que tu es. Tu as oublié aujourd'hui que quand tu venais, quand tu as commencé dans ta petite voiture à Abidjan, aujourd'hui tu as les voitures de 15 millions. Tu t'es levé un matin, tu as eu 15 millions dans ton compte bancaire. Hein? Tu t'es levé un matin, tu as eu 15 millions dans ton compte bancaire. Nada. Jamais. Tu n'avais rien. Moi je t'ai vu quand tu as commencé les directs là. Je t'ai vu. Tu étais dans une petite voiture à Abidjan. Même quand tu as commencé ta première substitution, j'ai vu. Je t'ai suivi. Parce qu'il y a une fille qui appelle Lolo comme toi, c'est là où j'ai parti soir. Tu étais fan de toi. Tu as couru dans la voiture. Tu t'es battu. Nous tous, nous avons apprécié ton combat. Nous tous, nous avons compris ce que tu faisais. Mais comment tu peux te permettre d'insulter un enfant? Tu es qui? On dit que tu as la bouche. Ne tente pas avec moi. Moi, je vais t'insulter comme au quartier. Moi, je te dis la vérité. Mais le pire, c'est qu'elle, Pipi a cherché la Stamania. Quand tu vois Lolo Beauté, elle n'a pas guetté. C'est ça qui fait mal à Pipi jusqu'aujourd'hui. C'est ça qui fait mal à Pipi. Tu m'as blessé. Parce que j'ai subi ce que cette petite fille a subi là. J'ai vécu 4 ans d'enfer, 4 ans de souffrance. J'étais même à moins de ces gars me tuer un jour. J'ai eu mal de voir une mère. Tu n'es même pas stérile. Tu es une maman de 5 enfants. Venir s'asseoir dans les réseaux sociaux
Parce qu'elle veut, elle veut avoir la gloire. Elle veut marcher avec les puristes. Tu veux marcher avec les puristes de la vieillesse? Nous, on a baisé avec les enfants des présidents de la République. Tu parles de quoi là? Avec... Nous, on a bindé avec les ministres. On a bindé avec les stars. Tu viens hier. À l'époque, de... Mais Pipi, tu as bindé. Ça t'a porté quoi? Tu as bindé. On t'a bindé que dans le noir, Pipi. Ne confonds pas qu'on bindé dans la lumière, on te met en haut. Mais toi, on t'a bindé que dans le noir, dans le porte-porte, dans le noir. C'est ça qui te fait mal, Pipi. Encore. Tu vas attendre que tu ne peux pas les signer qui t'a batté. Tu vas attendre que tu salues le bain. Où c'est les gars? Non, elle n'a calculé même pas. Quand tu parles à Abidjan, te reçois la présidente. Mm-hmm. Tu crois que tu es qui? Mm-hmm. Tu n'es rien. La jalousie. Tu n'as même pas. La jalousie que tu as valorisé le beauté hier. Franchement, Pipi, tu es. Le karma est dit. Le beauté t'a même pas guetté. Nous ne sommes pas féministes. Nous sommes toujours en train de nous jeter du tort. C'est pas bien. Vous encouragez que la bêtise. Moi, je n'ai pas aimé. J'ai pas aimé votre façon de réagir face à ce qui est arrivé à la copine. C'est mon life, non? On va que entrer dans le remembre de ça, maman. Il dit que. Ça, c'est même petit. Il dit que il dit que dans l'autre téléphone de mariage, le grand frère de Remember. On appelle ça que le Terminator du Remember. Dans le téléphone. Je vais retirer dans tout ça cette nuit. Donc, Remember, comme tu as commencé le Remember avec les, donc ne t'arrête pas en chemin. Continue seulement. Continue. Écoutez ça. Le petit César est venu ici, là, il est promis avec une dame. Une fille qu'on appelle en Côte d'Ivoire, c'est Sidéro, il s'appelle Sidéro. Hein? Il s'appelle Sidéro. Une comédienne ivoirienne. Ici maintenant, elle insulte Yves Doro. Elle dit que Lolo, Pipi a insulté tous les Ivoiriens. Elle dit que même personne ne l'a calculé en Côte d'Ivoire. Ici, c'est Yves Doro qu'elle veut clasher. Écoutez. Mm-hmm. Elle a fui la Côte d'Ivoire. Ouais, écoutez. Elle a fui la France. Pour aller monter ses talents de comédie en Afrique. Mm-hmm. Alors qu'ici en Europe, elle a les possibilités d'aller même chez Jamel Comédie. Mm-hmm. Comme Claudia Barbeau, l'Ivoirienne là qui avec Arthur tous les vendredis, tout est permis. Voilà une Ivoirienne qui a du talent. Mm-hmm. Voilà une Ivoirienne qui a su ses terres en Europe, qui a su se savoir son. Regardez, Pipi. Elle est sur comme ça, Yves Doro qui n'a rien fait. Elle est parce qu'elle voulait. Elle voulait la star mania derrière Yves Doro. Yves Doro n'a même pas calculé. Écoutons la famille. Vraiment. Hein. Pipi est trop sur toi, franchement. La suite est même où? Hein? C'est Zuckerberg qui t'a donné les ouvertures. Pour être ce que tu es là aujourd'hui. Comment tu fais une femme, une blonde? Je vais chercher la vidéo de la femme de Yves Doro là. Elle a clashé Yves Doro et c'est là pour rien, Pipi. Pour rien. Mais Yves Doro l'a pas calculé. Écoutez. Le petit César. Écoutez. Le petit César est venu ici. Là, il est promis avec une dame. Une fille qu'on appelle en Côte d'Ivoire. C'est Sidéro. Il s'appelle Sidéro. Hein? Il s'appelle Sidéro. Mm-hmm. Elle s'appelle Sidéro. Mm-hmm. Une comédienne ivoirienne. Qui est partie monter. Elle était en Europe. Elle a fui la Côte d'Ivoire. Elle a fui la France. Pour aller monter ses talents de comédie en Afrique. Alors qu'ici en Europe, elle a les possibilités d'aller même chez Jamel Comédie, comme Claudia Barbeau, l'Ivoirienne là qui avec Arthur tous les vendredis, toi tout est permis. Voilà une Ivoirienne qui a du talent, voilà une Ivoirienne qui a su ses terres en Europe. Donc Rêve Mida, va les archives, va ta propre soeur qui est partie jusqu'en Côte d'Ivoire, elle l'a insulté, Yves Doro qui est en ligne, qui finit ses directs, ah, tu vois là, 200 000 personnes qui ont regardé. Hein? Mais Yves Doro n'a pas calculé, Pipi. Pipi a mal. Pipi a. La stamaille, Pipi voit l'échec. Parce qu'elle achète des vues. Pipi achète des vues. Hein? Monsieur, tu posais la question que, mais les vues que Pipi a là, pourquoi quand elle part dans les soirées, il n'y a pas quelqu'un qui prend les photos avec elle? C'est vrai que ce sont les arabes qui suivent Pipi. C'est pas quand les gens suivent Pipi. Hein? Tu achètes des vrais Borosangi, tata, toto, Pipi. On va mettre Borosangi. Comment Borosangi a été Pipi? Regardez Borosangi. Donc je ne comprends pas comment aujourd'hui c'est moi qui demande papa de pas s'occuper des enfants, de pas envoyer l'argent. Je veux qu'on donne l'argent par mois. Je veux que ça aille Toto là. Et que l'or. Regarde comment Pipi est beau, ça y est, sur Pipi. Non, il n'y a pas d'autre message. Hey Toto là, fais descendre sur moi avec ta tante Pipi là. Agnès Pipi ou ta tante, Agnès Facebook, c'est là. Voilà. Toto, tata, toto, pipi. Voilà. Que l'autre est tapé dedans.
Rave Minda, viens voir comment Borosangi, Pipi qui valorise Borosangi hier. Borosangi a acheté Pipi, Tata, Toto, Pipi, écoutez. Tata, Toto, Pipi. Donc, Tata, Toto, Pipi. Donc, Toto, Pipi, descendez sur moi. Puis, je non. Puis, soit le moment. Comme si. Jusqu'à Pipi, Toto a dit que elle va prononcer mon nom. Et si Pipi pour Toto prononce mon nom, si je veux, je l'insulte. Salut, moi, ma joyeuse. Ma joyeuse, tu ne dors pas. Ma joyeuse. Et Yamou, ma joyeuse, jusqu'à demain. Ma joyeuse. Ma joyeuse, j'aime quand tu ris jusqu'à je te jure. J'aime te voir rire. Tu banalises tout. Voilà ma joyeuse en ligne. Pico pas toi, ma joyeuse. Ton voisin, j'espère qu'il s'est calmé, hein, ma joyeuse. Il faut dire s'est calmé. Il faut qu'il s'est calme. Tu dis que tu es une princesse des boulevards. Il faut lui dire ça. Après, tu vas n'importe qui. Hein. C'est ça. Tu es madame veuve de Gaumont. Tu ne t'entends même pas. Voilà. S'il est fou, là, il fait peur à sa femme, là. Nous, là, on s'en fout de lui. Hein. Il faut lui dire ça. Ouais, ma joyeuse, je t'aime trop. Tu es trop marrante, franchement. Donc voilà, voilà, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Je suis mêlée dans des... Il fait chaud, hein? Ouais, il y a ma muse ici dehors, ouais. Donc, c'est un peu, ça va arrêter le live. Elle dit que Diane Flo demande pas. Donc... C'est un peu ça. Il n'y a plus. Donc. Bon, attends, on va mettre encore quelle. Maintenant, on va encore mettre ceci. On met un dernier truc à pompard. Elle a été cassée. Vous n'allez pas changer que compulsion. Moi, nous sommes des amis dans la vie réelle. Voilà. On ne s'est pas connus dans Facebook. Donc, Raven Mina, viens écouter ça. Tu vois. Tu vois comment Pipi valorisait ma pépé. Viens écouter. Tu vois, regardez, écoutez. Regarde, Raven Mina, tu ne peux pas là, les archives avec moi. On continue. Elle vous a connu dans Facebook. Dans l'amour que j'ai pour moi, tout elle, vous n'aurez pas cet amour-là. Marie-Louise Baga, c'est une grande sœur que j'ai connue sur les internets. Elle m'a montré son amour quand il en avait besoin. Personne ne va me dire, ne parle pas de Marie-Louise Baga. Il va écrire dans Facebook que Marie-Louise Baga ne doit pas dire ça. C'est que Marie-Louise Baga et moi, on dit en privé, je ne venais jamais le dire en public. Voilà, parce que c'est comme ça, je respecte mes amis. Vous n'allez pas me pousser à bout. Parce que si vous étiez une personne qui assumait compression et que vous avez de la personnalité, que vous êtes, c'est facile pour vous à écrire le gros français de Molière et de traiter les gens de tous les noms, mais vous êtes incapable de sortir de vos faux profils. Venez nous montrer votre professionnalité. Donc, du moment où tu te caches, ça veut dire que tu n'as pas de la personnalité. Parce que si tu as de la personnalité, tu vas venir assumer ton regard, prendre une vidéo et dire ce que tu as dit aux autres. Donc, déjà, respecter Lolo ou compression ou les autres qui font des vidéos à visage ouvert. C'est déjà un respect, c'est de l'énergie. Donc, si ça ne vous plaît pas, donc, ce qui fait pas les Marie-Louise Baga, ça va rester Marie-Louise Baga à 8 clous. Ce qui n'est pas les compétences, ça va rester avec compétences à 8 clous. Et ça ne va pas changer que c'est quelqu'un que j'ai connu dans la vie réelle. Et elle va demeurer une soeur à moi, une petite soeur à moi. Si je rends les premières compétences, ça ne viendra, on va plus jamais ramener ça sur la toile. Quoi que vous allez faire, quel que soit ce que vous allez vous irez dire à compétences, ça ne changera pas. Oh, écoute encore. Et à la tête cassée, vous n'allez pas changer que compulsion. Moi, nous sommes des amis dans la vie réelle. On ne s'est pas connus dans Facebook. Elle vous a connu dans Facebook. Dans l'amour que j'ai pour moi, tout elle, vous n'aurez pas cet amour-là. Marie-Louise Baga, c'est une grande sœur que j'ai connue sur les internets. Elle m'a montré son amour quand il en avait besoin. Personne ne va me dire, ne parle pas de Marie-Louise Baga. Il va écrire dans Facebook que Marie-Louise Baga ne doit pas dire ça. C'est que Marie-Louise Baga et moi, on dit en privé, je ne venais jamais le dire en public. Voilà, parce que c'est comme ça, je respecte mes amis. Vous n'allez pas me pousser à bout. Non, parce que si vous étiez une personne qui assumait compétition et que vous avez de la personnalité, que vous êtes, c'est facile pour vous à écrire le gros français de Molière et de traiter les gens de tous les noms, mais vous êtes incapable de sortir de vos faux profils. Venez nous montrer votre professionnalité. Donc, du moment où tu te caches, ça veut dire que tu n'as pas de la personnalité. Parce que si tu as de la personnalité, tu vas venir assumer ton regard, prendre une vidéo et dire ce que tu as dit aux autres. Donc, déjà, respecter Lolo ou compétition ou les autres qui
font des vidéos à visage ouvert. C'est déjà le respect, c'est déjà l'énergie. Donc si ça ne vous plaît pas, donc ce que je parle de Maïlus Baga, ça va rester Maïlus Baga à huis clos. Ce que je parle de compétition avec compétition à huis clos. Et ça ne va pas changer, puisque quelqu'un que j'ai connu dans la vie réelle, elle va demeurer une soeur à moi, une petite soeur à moi. Si je rends le point de compétition, ça ne viendra, on va plus jamais ramener ça sur la toile. Quoi que vous allez faire, quel que soit ce que vous allez vous irez dire à compétition, ça ne changera pas. Écoutez, Marie, ma Marie. Bon, c'est un peu ça. Maman, est venue, toi? Pourquoi, non? Et à la tête cassée, vous n'allez pas changer que c'était de... Ouais. Bon, je vais pas trop tirer, sinon je vais gâter tout. Donc, le mieux, c'est que je m'arrête là. Et à toi, du camère. J'ai jamais trahi compresseur. Parce que moi, j'ai pas la compresseur sur ma vidéo, sur mon écran. On s'est chamaillé. C'est pas une trahison, ça. Allez, Linda, viens écouter ta petite soeur, viens écouter ta grande soeur. Comment valoriser ma pépé. Viens écouter. On va remettre. Maman. Si j'avais trahi compresseur. Parce que moi j'ai pas la compresseur sur ma vidéo. Maman, sur mon écran. On s'est chamaillé. C'est pas une trahison. Ça. Allez parler avec une débit de l'eau, c'est pas une trahison. C'est pas une trahison. C'est quoi vous appelez trahison? Moi, c'est pas une trahison pour moi. Ce n'est pas une trahison. C'était un malaise. C'était juste pour la choquer. On appelle ça une vengeance. C'était pas une trahison. C'était une vengeance. La trahison, c'est quand tu pars faire ce qu'on a dit là. C'est pas une trahison, ça. C'était une vengeance. J'avais mal. Quand ma police me délaisse au milieu des gens qui m'insultent pour rien. Alors j'avais aussi voulu faire mal. C'est ça que je suis parti là. Mais ça m'a brûlé. J'ai fait marche arrière. Oui. Donc c'est pas une trahison. Donc à vous qui passez votre temps à détruire les soeurs camerounaises, je reviendrai sur vous le 10 septembre. Parce que je vais faire mon tir le 10 septembre. Et c'est un direct qui va beaucoup parler. Ça va beaucoup parler parce que je garde tout dans les clés USB. Je coupe en morceaux. Je garde les écrits, je mets. Maman, bien sûr, elle m'envoie les messages là que t'attends de l'autre petit de peine et me laisse pas. Je vais pas te laisser, ma chérie. Je vais pas te laisser. Je te laisse pas, maman ministre. Je suis là. Je suis là. Mon téléphone est ouvert. Comme les gens m'insultent sur Facebook, je vais te laisser. Je vais pas te laisser. Moi, je m'en fous des injures. Je pense à toi. Je vois ce que tu es devenu aujourd'hui, toi qui n'étais pas comme ça hier. J'ai mal pour toi. J'ai très mal pour toi. Et toi aussi, pense à toi. Oublie son mère. On va tout dire ce qu'on va dire de ce garçon. L'amour, quand tu n'aimes pas, tu n'arrives pas. Peut-être ça n'a pas marché. Lui aussi, il a envie de vivre sa vie. Laisse son mère partir. Fais son deuil. Pense maintenant à toi. Arrête de nous faire du mal. Voilà. Arrête de faire le mal, elle m'envoie plus les messages, maman dit, je suis en direct. Quand tu m'envoies les messages, ça va me faire brûler les larmes. J'aime pas pleurer devant les gens. Ça, c'est un truc que j'aime pas. J'aime pas pleurer, mais j'aime pas montrer ma faiblesse devant les gens. Ça, c'est un truc que j'aime pas. C'est mon père qui m'a appris ça. Quand j'étais petit, quand je venais pleurer devant les gens, quand mon père faisait une bêtise, et quand je venais devant mon père, il me fouette même encore, il me fouette. Il me dit, ne pleure jamais devant quelqu'un. Et c'est resté à moi. Ne m'envoie plus les messages, maman ministre. Va avec tes frères t'aiment. Si tes frères ne t'aimaient pas, ils ne devaient pas être là aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à avoir des frères comme ça en Europe. Qui cherchent à avoir une famille qui, quand ils pleurent, on vient vers eux. Il n'y a pas que le mari, on va se laisser. À demain. Ciao.